Bonjour à vous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Game Dev Tycoon. On va poursuivre notre aventure qu'on a commencé. Donc allons-y. Alors, la Nintendo va sortir apparemment. Donc comme en témoigne un consommateur, j'adore les jeux fortides sur la tête et jouer avec une manette est tellement plus amusant que de jouer avec un clavier. Ok, donc elle est sortie déjà. Ok. Donc on va faire un nouveau projet et on m'a laissé un commentaire de me donner une idée de jeu. Pas de thème. On m'a dit Apocalypse, mais je veux pas Apocalypse. D'accord, attendez. Rechercher un nouveau thème. Alien, voilà. On dit Alien. Action, je crois qu'on m'avait dit. Je m'en rappelle plus. On m'a laissé un commentaire, je ne sais plus ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Je vais terminer les recherches sur le thème Alien. Ok. Alors, Alien, choix du prof de action. Oui, on dit action. La plateforme. On t'en fait la suite par Nintendo. Allez, on t'en fait Nintendo. Allez. 80 000 €. Allez, on est parti. Pas tout simplement, on va appeler Alien. Tout simplement. Tout simplement, suivant graphisme, hein, normal, on va prendre graphisme. Allez, première jeu qu'on développe pour la Nintendo. Attention à la gameplay, oui, à fond. Histoire quête, on comprend un petit peu. Hein. Quand on fait un peu d'action, voilà. Le perf va être un bon jeu. Hein. C'est pas bête, dites-moi une petite idée que quel jeu vous voulez que fasse. Développe, vous pouvez me donner des idées, hein. C'est très c'est pas bête. Alors, dialogue, on baisse, design du niveau, on monte, intelligence artificielle, on laisse comme ça, voilà. Par contre, 3-3, c'est pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, il faut que ça monte. Graphisme à fond. C'est bien, ça monte. 9, 10. Ah. Allez, 10, très bien. Des études récentes semblent indiquer que l'offre croissante en console devait créer aussi un marché pour les jeux plus spécialisés. Certaines plateformes deviennent plus populaires auprès des jeunes joueurs tandis que d'autres s'adressent à un public plus averti. Ok. Alors que de plus en plus de développeurs entrent sur le marché, nous espérons que leurs jeux cibleront des groupes d'âge spécifiques afin de devenir des référents dans leur genre. Ok. Nous avons recherché disponible ciblage du public. N'oubliez pas de créer vos propres moteurs de jeu, ils améliorent grandement vos jeux. Vous pouvez créer vos moteurs de jeu personnalisés via le menu d'action une fois à recherche moteur de jeu personnalisé effectué. Ok. Bon, 12-11, c'est pas mal. Hein. Allez, on publie. Nouveau thème, nouveau combo. Bien, niveau 2 quand même. Allez. On va attendre les critiques, hein. Attention. Sept, agréable. 5, à de bons moments.
C'est mitigé, hein, c'est mitigé, hein, y a... Ouais. Magnifique. Il y a un peu de tout, hein. Alors, attention à ce qu'il a bien fait vendre. Suite à l'immense succès de la thèse, la rumeur a commencé à circuler que Venace, une autre entreprise japonaise, prévoirait de forcer sa propre console de jeu. Attention. Ouh. Ça va. Va-t-on dépasser les 20 000 exemplaires? On verra. Alors, c'est un rapport de jeu. Je vous rappelle, premier jeu développé sur la console TES. Alien et Action est une bonne combinaison et le gameplay est important pour ce type de jeu. Okay, très bien. Ah ouais, bah on a dépassé les 20 000 exemplaires. Aujourd'hui, Vena a confirmé les rumeurs récentes au sujet d'une nouvelle console de jeu et a annoncé la Master V. L'entreprise affirme que la Master V est techniquement supérieure à la tête de Nintendo Divento, qui a connu un succès massif et prévoit un lancement dans les mois à venir. Ok. Vous cherchez. Ah, Tibal public. Ils vont encore 21 000. Hein. C'est pas mal. Ah, ma recherche est terminée, mais ça m'a pas pris quoi en fait. Développer un nouveau jeu. Vous pouvez maintenant préciser quel est le public principalement visé par votre jeu. Les jeux peuvent cibler les publics jeunes, être pour tout public ou cibler un public averti. Ah, intéressant. Choisir le bon public pour votre jeu est important. La plateforme sur laquelle sera publié le jeu aura aussi son importance. Chaque plateforme est en général plus particulièrement en vogue auprès d'un public précis. Ok. Un public, tout public ou public averti. Ok. On va faire un nouveau thème. Hein, que les thèmes m'inspirent pas beaucoup. On va chercher un nouveau thème. École, vampire, ovni, histoire. Là, je ne sais pas quoi vous dire. Bon. Là, vampire, pourquoi pas? J'ai vendu 22 000 exemplaires et 154 000 de recettes. Je crois que c'est un de mes meilleurs jeux, il me semble. 398 fans. Pas mal. Vampire. Ok. Vingt-deux mille, 16 000. Et ben, je crois que c'est notre meilleur jeu. 22 100, je crois qu'il est. Ah non, reste devant quand même. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme jeu? Pas du thème. Compliqué, hein. Vampire, RPG, tiens. On essaye, hein. On tente, hein. Sur PC, et on va pour tout public, hein. Pour toucher un maximum de personnes. Alors, vampire, on va mettre les dents de la nuit. Allez, on est parti pour développer.
Histoire 4. Maintenant, au niveau 2, au niveau du gameplay. Ok. Dialogue forme. Comme ça, anti-défense ici. Ouais, je le fais comme ça. Ah, aujourd'hui, Vena a sorti la Master V, sa nouvelle plateforme de jeu. La guerre des consoles a commencé. Je l'ai fait comme ça. Hein. Voilà. Étape 3. Allez. 10, 20, 2. La Master V, console récemment sortie par Vena, a bouleversé le marché mondial. Les experts de l'industrie disent qu'elle a trouvé peu de débouchés sur le marché américain, mais qu'elle devrait avoir du succès dans le reste du monde. Ah, ok. 14-12. C'est pas mal. C'est pas mal, pas mal du tout. 15. Wow. 15-13. C'est bon? Ouais, terminé. Deux nouveaux records. Ce jeu-là, il va cartonner à mon avis. Attention au suspense. Les critiques. On a pas beaucoup. Hop. Ah, peut mieux faire, ok. 10 heures n'est bon, ouais. On a déjà l'immune. Ah, vraiment. Ah ouais, carrément. En fait, c'est un bon jeu, mais non, en fait. C'est un jeu moyen. Très très moyen. Mettre un peu de son que. C'est un peu. Voilà. Attention, il marche plutôt pas mal quand même. Hein. Après, là, la chute est dure. Nous recherchons disponible casual game. C'est quoi game casual? Ça veut dire quoi? Chercher casual game, ça fait quoi? Ah, quoi, c'est les petites cartouches pour les petites consoles, je crois, je suis pas sûr. Les données de marché récentes montrent que les Govodor G64 semblent perdre lentement des parts de marché par rapport aux autres constructeurs de PC. Ok. Dans une déclaration officieuse, un employé du G64 rapporte que l'entreprise n'a pas su mettre sur le marché des ordinateurs plus onéreux pour concurrencer les PC les plus récents et puissants. Oh. Ok. 18 000. Non. Ok. On cherche un nouveau thème, on recherche un nouveau. Attends, j'ai pas fait de rapport encore. On va faire un rapport avant. 5,75. Bon. C'est pile poil de la moyenne. Hein. Disney, elle n'a même pas franchi la barre des 20 000. Dommage. On ne sait pas loin. Alors, Vampire RPG et RPG est une bonne combinaison. Le gameplay est important. Bon pour les PC, bon pour les PC et bon pour tout public. Ok.
Très bien. Alors, recherche nouveau thème. Après, on va faire un moteur de jeu qu'on aura fait quand on recherche. On fera. Ah, ça n'aide pas beaucoup. Ah, maintenant. Un petit plus faudra que faire un bon jeu en fait. Ok. École, bien. On va faire école. Un jeu de stratégie d'école. Hein, pourquoi pas? Voilà, Nintendo a annoncé aujourd'hui la prochaine mise sur le marché d'une console de jeux portable appelée Gaming. L'appareil sera équipé de cartouches de vœux interchangeables, d'un écran monochrome à fond vert, de haut-parleurs intégrés et offrira même un support de multijoueur grâce à une connexion par câble. Ok. Le gaming sera moins puissant que les PC et autres consoles de jeux, mais son petit prix et le fait qu'elle soit portable pourraient la rendre très populaire. Ok. Ok. Donc un nouveau jeu. Choix du thème. Donc, école. Choix. Stratégie. Choix de plateforme. On les fait sur le PC. Hein? Le titre. Ah, le titre. School. École anglais. Tout simplement. Je crois que ça s'écrit comme ça et après il n'y a pas de. Il n'y a pas un S à school. Là c'est pas grave, hein. Tant pis. Tant pis. Tout public, hein. Ok. Stratégie. Allez, commencez. Donc appuyez en fond un petit peu, plutôt le moteur c'est plus important. Allez, ça y est, la Game Boy est sortie. Dialogue, on confond un petit peu dans le dialogue, hein, dans la stratégie. Zéro bug encore. Ah, deux bugs, voilà. J'ai rien dit. Le fond, le son, il est à fond. Je vois. Sans rien, on laisse comme ça. Terminé. Alors, est-ce que ça va payer ou pas? dix-huit seize. Allez, terminé. Attendons les critiques. Nouveau thème, nouveau combo. Ok. 18-16, ça va. Pourquoi c'est bah fait meilleur 18-16. Publie. Allez, croisons les doigts. L'intérêt croissant pour les jeux vidéo entraîne mécaniquement l'augmentation des lecteurs de magazines traitant des jeux vidéo. Ce magazine offre aux développeurs un nouveau moyen efficace de promouvoir leurs jeux en développement. Ok. Marketing, nouvelle recherche. Ok. Attention. 9. Wow. 8. Et école stratégique, ça marque bien. Hein. 8. 8. Voilà. Bien. Des bonnes critiques. Hein.
Voilà, franchement, elle carton de tout là. Les 30 000, oh, bah, et franchement, voilà. Bon, là, franchement, plus balèze, on est balèze quand même. Hein. Si vous accumulez plus de 1 million de cash, vous pourrez déménager au niveau suivant. Ah, ok. Ça peut vous paraître beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, une fois que vous aurez développé un jeu à succès, vous obtiendrez facilement une telle somme. Ok. La Master V vient d'annoncer une console portable positionnée pour concurrencer directement la Game League de Nintendo. Ok. Contrairement à d'autres appareils similaires sur le marché, donc le performance au moins d'approcher celle des consoles de salon, la Vega dépend de la puissance de la Master V. À ceci près que vous pouvez l'emmener avec vous, la Vega est de plus dotée d'un écran de couleur. C'est vrai que la Game Boy, elle est noir et blanc. Bah, elle a pas de couleur en fait. Dans 2 mois. Et ben là, je suis content, je suis fier de moi un petit peu. 8,25. Du coup, le but d'avoir 1 million pour se déménager en fait. Ok. Et ils vont encore. Ah, il s'est vendu à 42 000 exemplaires. Franchement, bravo. Notre meilleur jeu pour le moment. Bon, bah, les petits loups, on va se quitter là. Hein? Maintenant, on a un objectif, c'est d'arriver de créer un bon jeu pour déménager de notre garage. On va pas rester ici éternellement. Donc, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures et la suite de notre entreprise de jeux vidéo. Bye bye!